Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance, la guidance du vendredi 7 octobre. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé hier. Hop, ouf, le diable, ouyo, les addictions, le diable, l'attachement ou le détachement. Allez, nouvelles énergies pour ce... Alors, j'ai refait, recentré un petit peu la caméra. Je l'ai mis dans l'autre sens. Pour moi, c'est mieux. J'arrive mieux à voir ce que je fais. Allez, les énergies de ce vendredi. Les énergies, le battleur. Alors, hier, on avait le mât. Et là, donc, c'était un départ. Mais là, c'est vraiment... Là, on fait un nouveau projet avec toutes les pièces en main. Et l'empereur, bien, alors l'empereur, avec le pape derrière, l'empereur, c'est très bien. L'empereur, on est sûr de soi, on avance avec détermination, on a fait notre projet, quel que soit le projet, hein, dans n'importe quelle nature du projet, et on a confiance et on se lance avec le battleur. Allez, numérologie maintenant. Numéro attribué. Pour cette journée du vendredi, allez s'il vous plaît, j'aime bien quand elles sortent d'elles-mêmes, c'est plus simple, mais bon, quand elles veulent pas, hein. Allez, encore un, oh, bon, ah, allez, on va prendre celle-là parce qu'elle a voulu sortir. Allez. Alors, celle-ci sera intelligence du cœur. Bon, on a déjà eu l'autre jour celle-là. L'intelligence du cœur. La 27. Et en dos, c'était l'intuition. Ah, toujours suivre son intuition. C'est toujours la bonne solution. Alors, vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour. Ah oui, c'est celle-là. Et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. Bien s'occuper des autres avant soi-même, mais pas s'oublier non plus. Allez, l'intuition, bah, l'intuition, très belle carte aussi celle-ci, l'intuition, très jolie. Suivre, ben, c'est suivre ses intuitions, tout simplement. Alors, donc du coup, j'ai tout inversé. Alors ici, il faut que je me remette tout en ordre. Allez, la guidance avec les rêves enchantés. De le Normand. En 9 cartes pour cette journée du... j'avais dit quoi? 7, je crois. C'est bien le 7, hein, oui. Faut que je me mette un... Maintenant que je suis vers le mur, je vais me mettre un calendrier. Que j'ai les dates. Hop, c'est parti pour... Les 9 cartes. Ah, et là, je vais pouvoir bien les mettre au milieu. Comme ça, ça sera peut-être mieux pour... parce que en visionnant les vidéos, je me suis aperçue qu'on ne voyait pas trop bien les cartes. 9, voilà. Alors, le dos, l'étoile, la protection, suivre sa bonne étoile. Le couple, la nouveauté avec l'enfant. Ou l'enfant, hein. Le couple, la nouveauté, l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a derrière après? Le temps, l'amitié. Bon, ça va. On est protégé, on a un couple. Mais si les couples qui voudraient des enfants, ben, il y a la protection. Il y a le temps qui arrive. Il faut patienter peut-être un peu aussi. Bon, allez, c'est parti pour la guidance. En centre, nous avons... Alors, est-ce que toutes les cartes, on les voit tous bien? Non, c'est dans l'autre sens qu'il faut que je les mette. Je ne sais jamais dans quel sens il faut que je m'y prenne. Voilà, c'est comme ça doit être comme ça. Plus par là, peut-être. Ouais. Celle-là, on la voit à moitié.
Celle-là, on la voit bien. Celle-là, par contre, celle-là, on la voit. Non, c'est celle-là qu'on voit bien. Celle-là, on voit à moitié. Donc, il faut peut-être que je repousse tout par là. Ça doit être comme ça. Quand j'aurai mes repères, ça ira beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Mais là, il faut que. Voilà, j'y suis arrivée. Bon, un dos. Alors, en milieu, centre, un choix. Ah, ah, j'aime pas quand il y a des choix, moi. On dit toujours qu'il faut suivre son intuition, mais moi, mes intuitions, ben, il y a toujours les choix, c'est toujours dur pour moi. Le cavalier, visite ou lettre, le jardin, la loupe, le cœur. Ah, on va parler de, ah, peut-être une lettre de cœur. On va recevoir un courrier ou une visite. Le pont, un lien. Hein, le choix d'un lien avec un cœur. Ouf. La maison, le domicile, la famille. Le renard qui nous indique peut-être un travail indépendant ou une petite ruse. Ou travailler chez soi. Le choix de travailler chez soi. Et l'ancrage, la stabilité. Alors, il y avait un choix, ce choix. Alors, peut-être le choix de travailler, comme je disais tout à l'heure, de travailler dans son domicile. Le choix aussi de ben, c'est peut-être un amour entre deux personnes, ou peut-être, parce qu'on n'a parlé personne pour le moment, mais bon, on a quand même des liens là, de l'attirance, on va dire, hein. Il y a un lien avec le pont. Donc, le choix et l'amour, il y a un lien amoureux. Par contre, le choix, c'est peut-être que parce que justement, il y a peut-être deux personnes. Ou alors, la tranquillité, l'équilibre, le choix, l'équilibre, la lettre, c'est peut-être cette lettre qui va nous faire justement pencher la barrière plus d'un côté que de l'autre. Le choix d'une maison aussi, par contre, il faut bien regarder à la loupe les choses. Peut-être certaines choses que ne l'on verra pas, et c'est que ce choix-là qui va peut-être nous, en vérifiant plus poussé, c'est peut-être ce qui va nous faire pencher d'un côté plus que de l'autre aussi. Alors, il y a la maison, il y a la famille, il y a les amours, il y a le travail, c'est assez varié tout ça, hein. Et avec tout ça, il faut faire un choix. Alors, choix peut-être un choix amoureux, soit un choix de vie familiale ou de maison, achat, vente, soit un choix de travail indépendant ou travail à la maison aussi, hein, ça se pourrait. Bon, on est quand même protégé. Le battleur nous dit qu'on peut avancer. L'empereur nous dit qu'on est bien ancré sur ce qu'on veut faire. Bon, et l'intelligence du cœur, bon, bah ça, il nous dit qu'on n'est pas tout seul et qu'il faut peut-être partager. Mais bon, ça encore, c'est pas trop grave. Allez, précision sur tout ça. L'intelligence du cœur, c'est peut-être aussi se dire qu'il faut écouter plus son cœur que son intellect. Peut-être aussi ça, hein. C'est ça le choix aussi, hein. Le choix, c'est l'intellect, hein. Et peut-être qu'avec le cœur, ben, ça se fait tout seul. Allez, c'est le cavalier. Hop, le cavalier, ça a sauté, c'est la lune. Ah, la lune. Peut-être des vœux exaucés, hein, comme on disait. Ou alors, ce qu'on a vraiment voulu qui arrive. On en a rêvé de cette lettre, ça se peut, hein, ou de cette visite. Sur les jardins. Oups, ça a sauté aussi. Les jardins. Alors, le jardin, c'est les réunions de famille. On voit que ça s'éclaircit là aussi. Sur la loupe, ça a sauté. Ah, le renard qui revient. Peut-être bien un choix, justement, de savoir si on va travailler à la maison. Qu'on parle beaucoup dans ce moment, c'est de télétravail, hein. Donc, peut-être le choix de travailler à la maison ou indépendamment aussi, se mettre à son compte avec la maison. Alors là, par contre, en cœur, il y a une institution, peut-être ouais, se mettre ensemble, mairie, peut-être concrétiser un projet, hein, de couple. Et ah ben, le choix, c'est la maison aussi, c'est le domicile. Sur le pont, les liens, retrouver des liens, renforcer des liens,
séparation aussi, hein, parce que chacun peut aller de son côté, du pont. On n'est pas obligé de partir tous ensemble du même côté. Alors, le pont, s'il vous plaît. Sur ce pont. Ouais, c'est beaucoup de domicile, ou alors on quitte son domicile pour aller travailler. Selon votre âge, selon ce que vous avez à faire. Les disputes avec le pont, ouais. Donc, on ne resserre pas les liens, là. Hein. On est plutôt en train de les diviser. Le choix d'une autre famille, le choix d'un travail à domicile, le choix d'un autre amour. Alors, sur la maison. Allez, la maison, s'il vous plaît. La maison, c'est l'homme ou la personne. Ouh là 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 là, piouf, eh ben, je prends que celle qui s'est retournée. Ah, c'est la coupe. L'abondance ou la coupure. On coupe un travail. La maison, c'est une personne. Alors, ça peut être un homme. Hein, si... Mais enfin, ça, c'est une guidance générale. Hein. Donc, vous mettez à votre genre. Alors, soit c'est vous dans la maison, soit c'est quelqu'un qui est dans cette maison ou dans ce domicile. La coupure avec soit le travail indépendant, on coupe avec tout ça. Et l'ancrage, c'est les finances équilibrées apparemment là. Hein. Et donc, et le couple, les discussions, le changement de direction, fidélité, la chance, l'abondance, la femme, le courrier, transformation. Et la sécurité quand même avec... Eh ben, la femme est en dessous. Avec l'étoile. Je pense que le choix va être dans le domicile. Alors, soit on quitte son domicile, soit on y reste, on change quelque chose. Donc, il y a quelque chose à voir avec le travail. Il faut rester, il faut regarder bien, en fait. On coupe peut-être qu'avec un travail pour en retrouver un autre. Mais l'autre qu'on va retrouver, il faut quand même... pas se prendre la tête et voir bien les choses, réfléchir, parce que l'empereur peut-être un peu trop sûr de lui, donc il faut quand même aller et on voit quand même qu'on reprend une vie avec le domicile, cœur, amour, l'être, c'est peut-être un nouveau départ ça aussi, hein. un nouveau couple qui se forme et donc du coup peut-être un nouveau travail aussi qui vous oblige, il faut faire un choix. Le choix de sort du domicile, déjà, puisqu'il y a la maison. Donc, il y a peut-être un choix à faire, question familiale. Le choix aussi par rapport à un travail. S'enlever de ce travail pour en reprendre un autre, ou prendre le même, mais dans une autre ville, hein, on voit. Et on voit quand même qu'il y a des disputes. Donc, on a là une espèce de séparation. Je dirais pas un divorce, mais une séparation, un break, voilà. On se défait un petit peu de ces liens. Alors, on va voir avec l'oracle des heures miroirs ce qu'ils nous disent. Parce que l'oracle des miroirs, il va falloir vraiment que je m'en occupe aujourd'hui. Alors... Est-ce une guidance amoureuse ou une guidance de travail? J'ai l'impression que les deux sont liés. Les deux sont liés. On a envie de vraiment de changer quelque chose. Et on nous dit la créativité. Alors, tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Oh, pardon. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Et en dos, le changement, ouais, c'est ça, le changement. C'est hallucinant, le changement arrive tout le temps. Au mois d'octobre, là, le changement, accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi, je serai là à tes côtés pour te guider. La guidance, c'est l'étoile, hein.
Moi, pour moi, c'est un changement de... Vous avez le choix, enfin, il vous faut faire le choix entre rester dans la maison. Il y a un domicile à rester avec un amour. Mais, ou alors faire un break. Moi, pour moi, c'est un break. Il faut peut-être prendre le choix de s'en aller, de faire autre chose de sa vie, donc changer peut-être le travail ou s'éloigner de son travail ou faire un travail à domicile, hein, parce que le travail, on coupe. Donc, on coupe avec le choix, donc on coupe le travail, là. Et refaire peut-être une autre famille ailleurs, avec quelqu'un d'autre, justement. Et ce courrier, c'est le courrier que vous espérez, hein, parce que la lune, c'est l'espoir, hein, c'est les rêves, voilà, ou une visite qui pourrait vous faciliter le départ avec justement cette séparation va être bénéfique. Et on en discute hein, de toute manière, on voit qu'on change là de direction. Donc le changement est bénéfique. Alors que c'est à vous de faire le choix, hein, bien sûr, c'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut que vous fassiez, mais le battleur, vous avez les éléments en main. L'empereur, vous avez confiance en vous. L'intelligence du cœur, ben, suivre son cœur, tout simplement. Moi, je pense que c'est ça aussi. Et puis, faire ce changement. Changement de vie qui pourrait peut-être vous apporter bonheur. Hein, parce qu'il y a les cœurs quand même. Hein. Donc, on n'a pas eu de grosses cartes on n'a pas de la clé, on n'a pas le trèfle, on n'a pas tout ça, mais la guidance va quand même. Je pense que ce break va faire du bien. Va faire du bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura peut-être décidé de faire votre choix. Et puis, en attendant, on se retrouve. Je ne sais pas si j'en ferai ce week-end, on verra bien. Je vais faire surtout, c'est les guidances sentimentales qui vont ressortir dans les 10 jours, dans les 10-15 jours. Voilà, écoutez, je vous remercie, bonne journée, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de vous abonner, de partager, ça fait monter la chaîne et puis ça fait, je suis contente de vous, et vos commentaires aussi. Je suis contente de vous lire. Bonne journée, au revoir.